Salut Bruno et Estelle, bienvenue. We'll be right back.
merci. S'arrêter. On va attendre qu'il s'arrête tout seul. C'est arrêté. Bienvenue à tous. Donc live sur le morceau de Muse, Unintended. Vous retrouvez mes lives sur ma chaîne YouTube, tutoriel avec un S, MAO. J'en ai vu qui était de Grenoble. Bah, moi, je suis originaire de Grenoble aussi. Donc bienvenue, bienvenue. Hier, on a travaillé sur les arpèges et le sweeping. Aujourd'hui, ça va être sur les triades. Et vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire sur ce morceau. Alors, je vais répéter la grille. Pour ceux qui étaient absents, on va avoir un accord de mi majeur. La mineur. Ré majeur. Sol majeur. Do majeur. Si 7. Mi majeur. Donc on va travailler les triades, d'abord sur les trois cordes aiguës. Donc,
bien, la triade de Mi majeur, ça peut être Sol dièse, Si et Mi. La mineur, eh bien, ça peut être La, Do, Mi. Donc on va passer de Mi à La mineur. Ré, eh bien, ça peut être La, Ré, Fa. Dièse, Fa dièse. Sol, eh bien, ça peut être Si, Ré, Sol. Do, eh bien, ça peut être Sol, Do, Mi. Si, eh bien, ça va être Si, Ré dièse, Fa dièse. Mi. Je répète, Mi majeur. La mineur. Ré majeur. Sol majeur, Do majeur, Si, Mi. Je me raccorde, hein, parce que... Ok, on essaye ça, et puis après on va aller plus loin. Alors je vais remettre ma grille ici, je vais rester en son clair pour l'instant. Mi, La mineur, Ré, Sol, Do, Si, alors Bruno me dit on est des Chiroles, bah moi aussi j'habitais au parc des Essarts en fait, et Chiroles, donc oui je connais bien Chiroles. Ok, donc ensuite eh bien on va continuer les mêmes triades mais en plus aigu, on pourrait dire, c'est à dire qu'on va utiliser les trois mêmes notes mais en boucle, c'est à dire à la place d'avoir Sol dièse Si Mi, eh bien je vais avoir Si Mi Sol dièse, c'est les trois mêmes notes mais dans un autre ordre, on les fait tourner. À Village 2, bah oui, j'étais en face, ouais. La mineur, eh bien, ça va être Do, Mi, La. Ré, eh bien, ça va être Ré, Fa, dièse, La. Sol, eh bien, ça va être Ré, Sol, Si. Do, eh bien, ça va être Mi, Sol, Do. Si. Ça va être Ré dièse, Fa dièse, Si. Et je peux récupérer au même Mi ou au Mi suivant. Et oui, on est voisins. Alors moi, j'habite plus là-bas depuis longtemps, mais je connais bien. Ouais. Ok, on essaye ça. Donc je pars du Mi ici. La mineur. Sol, Do, Si, Mi. La mineur. Et donc on va continuer à monter. Donc le Mi, ça va être Mi, Sol dièse, Si. Alors que je fais comme ça ou comme ça, au choix. La mineur, eh bien ça va être Mi, La, Do. Ré, ça va être Fa dièse, La, Ré. Sol, eh bien, ça va être Sol, Si, Ré. Do, eh bien ça va être Sol, Do, Mi. Et Si, ça va être Fa dièse, Si. Ré dièse. Je répète, Mi, La mineur, Ré, Sol, Do,
si, mi. On essaye ça. Ok, donc faut bien vous familiariser avec ça, croyez-moi, c'est super méga important, pas que pour l'accompagnement d'ailleurs, pour l'improvisation aussi, et surtout si vous jouez en groupe, plutôt que de faire les accords pleins comme ça, s'il y a un clavier en plus, un bassiste en plus, etc., ça va, donc avec des petites triades comme ça, ça va embellir l'accompagnement. Alors, maintenant on va passer sur les trois cordes d'en dessous, donc sur le ré, sur le sol et sur le si. Donc le mi, bah, ça va être mi, sol, dièse, si, par exemple. Le la, bah, ça va être mi, la, do. Le ré, bien, ça va être fa, dièse, la, ré. Le sol, sol, si, ré. Le do, sol, do, mi. Le si. Mi. On essaye ça. Mince, bougez pas, j'ai fait repartir au début, hop, voilà, clac. Ré, sol, do, si, mi. Ok, on continue. Donc le mi, qu'est-ce que ça peut être ? Ben, ça peut être sol dièse, si mi. Le la mineur, la do fa, la do mi. Le ré majeur, la ré fa dièse. Le sol, si ré sol. Le do, do mi sol. Le si, si ré dièse, fa dièse. Et on revient au mi. On essaye ça. Au mi suivant, la mineur, que je ne trouve pas. Alors là, on était auquel? La mineur, la do mi, là, donc do. Voilà, celui-là. Donc mi, la mineur, ré majeur, sol majeur, do majeur. Si. Mi. La mineur. Ré majeur. Sol majeur. Do majeur. Si majeur. On essaye ça.
alors est-ce qu'on a fait les trois positions de mi? Oui, donc après ça recommence. L'octave au-dessus. Allez, on change de corde. Corde de la, de ré et de sol. Donc bah, le mi, ça va être si, mi, sol dièse. Le la, eh bien ça va être ré, do, la. La do mi, pardon. Ré do mi. Oui, je vais y arriver. Non, c'est n'importe quoi. Je reviens. Sur le mi, ça va être si, mi, sol dièse. Donc sur les trois mêmes cordes, bien on va avoir la, mi. Non, la, 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 do, mi. Voilà. J'ai pas l'habitude de le faire celui-là, ça se voit. Hein. Mi, la mineur, ré majeur, ré fa dièse la, sol majeur, ré sol si, do, mi sol do, si, mi. Ça. Ah, quand mon ordi voudra redémarrer, hein, bougez pas. Tu peux faire Newborn, c'est pas prévu aujourd'hui, puis je le connais pas, enfin je le connais d'écoute, hein, mais je sais pas le jouer. Merci pour l'abonnement à Damsos. Ok, on continue. Donc le mi, ben, ça va être mi, sol dièse, si. La mineur, ben, ça va être mi, la, do. Le ré, ben, ça va être fa dièse, la, ré. Le sol, sol si mi, sol si ré. Le do, sol do mi. Et le si, mi. On essaye ça. Mi. La mineur. Ré. Sol. Do. Dustin DeWine, je le connais celui-là par contre, mais je le ferai un autre jour. Je préfère le faire en plus sur l'électroacoustique. Et puis, faudrait que je me chauffe les doigts pour le finger picking parce que c'est pas évident. Ok, on continue. Donc, on va avoir sol dièse, mi si pour le mi, la mineur, la do mi, ré, donc la, ré fa, dièse. Do, mi sol, pardon. Oui, mais il y avait un accord avant. J'étais où? J'étais à ré, pardon. À ré, voilà. Do, si. Je répète, mi majeur, la mineur. Ah, c'est le sol que j'ai oublié. Ré. Alors le sol, et pourquoi je l'ai oublié? Parce que sol, si, ré, donc... ouais, mais non, faut pas le faire comme ça. Sol, si, ré, sol. Do, mi, sol. Et si. On essaye le mi, pas évident là, sur ces trois cordes. La mineur. Sol.
Ok, on peut tenter sur les trois grosses cordes. Alors là, je connais encore moins, mais on va tenter. Hein. Donc le mi, c'est sol dièse, si mi. La mineur, la do fa. La do mi. Le sol, eh bien, si ré sol. Le ré, il y a un ré d'abord. Ré, ce, ré fa la, ré fa la, ré fa la, ré fa la, oui, ici. Non. Voilà. Sol, si ré sol. Do, do mi sol. Si, si ré dièse, fa dièse. Mi. Et on essaye ça, mi majeur, la mineur, ré, sol, do, si, mi. Ré, fa dièse, la mineur, pardon, ré, sol, do, si, donc ça c'est vraiment important ces triades, vous voyez, moi faut que je les bosse sur certaines cordes, sur les trois cordes aiguës ça va à peu près, sur les trois cordes d'avant ça va à peu près, mais le reste c'est un peu compliqué donc faut que je le bosse. Et alors je vais vous montrer quelque chose qui découle de ça, je vais juste prendre ma télécommande pour pas que mon écran s'éteigne, merci. Si vous avez vu le début de la vidéo, j'ai fait un accompagnement qui était celui-ci. Donc après, je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, du parce que. Donc ça, c'est très joli. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma triade de mi et j'ai fait ce qu'on appelle un mi sus2, S-U-S-2, suspended, ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va remplacer la tierce du mi, qui est sol dièse, par la seconde. Donc la seconde, eh bien, ça va être, si la tierce est majeure, eh bien, on va descendre d'un ton. Si la tierce est mineure, d'un demi-ton. Donc là, la tierce est majeure, donc on va prendre le fa dièse ici. Et donc là, ça me fait un mi sus2. Après, j'ai voulu faire un la mineur. Et pareil, j'ai pris la tierce qui est do, et c'est une tierce mineure vu que c'est un la mineur, et que j'ai mis en seconde la sus2 pour résoudre sur le la mineur. Donc j'ai fait... Ré, eh bien j'ai fait un ré majeur. Et j'ai fait un ré sus 4. Donc sus 4, c'est la suspended 4, 4. Donc là, on prend la tierce du ré, fa dièse, tierce qui est majeure, et je l'augmente d'un demi-ton. Ça, c'est très, très, très courant, hein, si vous voyez. On remplace le fa dièse par le sol. Après, on a un sol. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ça dans un premier temps. Donc ici, sol, si, ré, c'est mon sol majeur. J'ai pris la tierce, qui est majeure, et je l'ai descendue en seconde. Et puis là, je répète le sol. Sur le do, vous allez voir, là, ça devient intéressant. Bah, do majeur, c'est do, mi, sol. Je prends la tierce, qui est mi, tierce qui est majeure, je la descends d'un ton sur le ré, et donc ça me fait... Ensuite, on a si majeur,
Eh bien, j'ai pris la tierce, le ré dièse, que j'ai augmenté d'un demi-ton, ça me fait un si sus 4. Pour résoudre sur le si. Je répète, ici, j'ai été parti du mi. Je prends la tierce, je la descends d'un ton, ça me fait un mi sus 2. La mineur, pardon, donc je recommence. Voilà. Ré, sus 4, sol sus 2, sol, do sus 2, si sus 4, si, mi, sus 4. Ok, on essaye ça, vous allez voir, c'est très joli. Je suis fan de Tom Waits, mais je n'ai pas de morceau préparé de lui. Ok, donc vous avez vu que ces triades, c'est drôlement important, parce que après on peut comme ça enrichir ces accords et vraiment faire sonner le mi sus 2. Hein, c'est le la mineur sus 2. Après, je pourrais continuer ici, hein, le ré. Sus 4. Sol, do, alors sur le do, faut faire attention parce que si on devrait normalement faire le passer le mi en fa dièse, mais c'est pas très joli, en tout cas dans le morceau, et le fa non plus. Donc sur le do, vaut mieux soit faire do, soit faire le do sus 2, comme j'ai fait tout à l'heure ici, celui-là il passe bien. Donc. Comme ça là. Si. Joli ça.
la tierce en mi si, sol dièse, sus 4 ou sus 2. La mineure, sus 4, sus 2. Ré, sus 4, Do. Sol, j'ai le sol avant. Do. Ça marche pas bien sur le Do. Si. Mi. Donc ça, après, ben, vous pouvez le faire sur toutes les cordes et ça peut vraiment vous apporter des choses très sympas. Là, je vous ai donné un exemple. J'essaierai d'en trouver d'autres pour demain, si j'ai le temps. Mais voyez qu'après, à vous de bosser, savoir où sont les tierces. Vous les si c'est une tierce majeure, vous l'augmentez d'un demi-ton. Ça fait un sus 4. Pour faire un sus 2, si c'est une tierce majeure, vous la descendez d'un ton. S'il y a des fans là. Allez, on va repasser en disto, un petit peu d'impro. On peut utiliser ces triades hein, pour l'impro. Mi sus 4, sus 2, ouais, c'est ça, c'était ça.
pour l'abonnement. Thank you.
abonnement. Unintended, c'est écrit dans le titre. Bravo, merci à toi. Je retransmets tous mes lives TikTok hein, pour les arrivants sur ma chaîne YouTube. Tutoriel avec un SMAO. Vous retrouvez tous mes lives que je fais sur TikTok là-bas. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous repasser des passages,
pour trouver des plans, des gammes, des notes, des conseils, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez. Le prochain morceau que je vais commencer vendredi ou lundi prochain, ça sera un morceau de Johnny Hallyday. Ouais, c'est ça, Unintended de Muse. Je peux pas taper sur mon téléphone, sinon je peux pas. Tutoriel avec un S hein, et MAO. Tu verras, c'est la première chaîne de toute façon. Qui est... Ça, c'est ce qu'on a travaillé hier. Tutoriel MAO, ouais, mais un espace entre tutoriel et MAO. J'ai perdu mon ré. C'est bon, abonné, merci. J'en ai pas encore parlé, mais on peut envisager sur les mi de jouer la gamme de mi majeur pentatonique. Donc, et après, il faut revenir sur mi mineur. Majeur. Mineur. Majeur. Tiens, on peut essayer ça, allez. Combien de gammes il existe ? Beaucoup. Mi majeur, pentatonique. Mineur. Mi majeur. Mineur. Majeur. Majeur.
majeur. Mineur. Comme une lettre à la poste. Ah, il y a quand même des pains. Hein. Je fais beaucoup de fausses notes quand même. Thank you.
Merci à tous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain.